t'entraîne sur le plus beau stade du monde, la promenade des Anglais. Je m'appelle Dominique Etché, je suis entraîneur au club Nice Côte d'Azur Athlétisme depuis 25 ans et j'entraîne principalement un groupe de demi-fond et de marche athlétique. L'objectif du groupe, j'ai un groupe qui est hétérogène, j'ai des personnes qui pratiquent au niveau départemental et des athlètes qui pratiquent au niveau national. Les objectifs, eh bien, c'est d'amener le maximum au niveau national. J'ai été éducateur spécialisé, éducateur sportif et puis tout naturellement, eh bien, j'ai voulu entraîner. De recherche, le côté éducateur, c'est l'accompagnement vers l'épanouissement personnel de l'athlète. Et puis, d'un autre côté, le côté entraîneur, c'est l'épanouissement vers le meilleur de la performance. Pour moi, un bon coach, c'est un coach qui sait observer, qui sait prendre le temps de pouvoir poser un diagnostic. Et ce qui est important, c'est justement, c'est faire de la dentelle. Je fais de l'individuel avec chacun. Alors pour la gestion du stress, c'est du temps passé avec l'athlète. C'est, là aussi, c'est beaucoup d'écoute. Et pour ce qui est des blessures, c'est l'orientation. Vers des experts, soit un médecin généraliste, soit un médecin spécialiste. Mais moi, je n'ai pas toutes les réponses. Après, ce qu'il dit souvent, c'est une course, elle se fait devant, mais jamais derrière. C'est maintenant ou jamais. Et c'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule. Alors, il faut aller à fond la caisse. On va pour aller gagner. C'est ça, à fond, faut y aller. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Tiens-toi droit. Relâche tes bras. Ouais, c'est... Allez, allez, on arrête de parler là. Enlevez-moi vos chronomètres. Ouais. Allez, supprimer les montres. Hein, supprimer, oui. Quelle est la personne la plus drôle? Popo. Popo, elle est drôle parce qu'elle est toujours fatiguée. J'ai Pierre. Mais moi, je dis Pierre. Ouais. Ah, Pierre. Non, moi, Pierre a beaucoup Pauline. D'humour. Pauline, elle ne le sait pas. Pauline, elle ne le sait pas. Pauline, elle est dynamique. Quelle est la personne qui est toujours à la bourre? À la bourre. JB. Pauline, Popo, Pauline, carrément, c'est vrai. Et jamais Emmanuel, alors. Souvent. Ouais. Ouais. Mais Pauline, elle est pas encore là. Oui, je pense que c'est Pauline. Pauline. Ouais, c'est Pauline. C'est Pauline. Parce que Pauline et Emmanuel, ouais, Emmanuel pas mal. Aussi pas mal. Et impressionnante. Pauline, c'est la plus en retard, la plus drôle. Désolée. Hein. Tu justifies nos critiques. Ouais. Elle était avec moi ce matin sous la pluie aussi. Hein. C'est vrai que c'est la plus sachée. Regardez. Donc nous, nous on est... Voilà, respect, respect. Qui est la personne qui râle le plus? Qui râle? Le coach. Dôme, ah ouais, le coach. Oh, je pense que c'est le Dôme. Ouais, c'est Dôme, le coach. Il va me mettre d'un coup du coach. Moi, je me rends pas témoin de cet acte de révolte. Dôme. Dôme, ouais. Dôme. Je suis jamais content de nous, en fait. Je suis jamais content. C'est pas si bien vu, c'est nous. Moi, la séance la plus dure, c'est les séances de résistance où il va y avoir beaucoup plus de temps d'effort, ouais, avec peu de récupération. Les séances de VMA longues, les 4 km, 5 km, à vitesse VMA assez élevée. Je suis le plus âgé de faire les gammes. Séance VMA, toutes séances de seuil, quand tu fais du 24 heures, c'est horrible. De faire de la vitesse. Ouais, le fractionné. Fractionné au stade. Pyramide aussi. Ouais, ouais, bah c'est ça. Juste. Ah ouais, pyramide. Pyramide à fond au stade. Ouais. Bon, on aime bien l'échauffement, quoi. Voilà.